Bonjour, bonjour les amours des HVM Bizan. Comment allez-vous ce matin? Moi, je vais bien, mes amours. J'espère que tout va bien chez vous aussi. J'espère qu'on est mieux comme ça. Un peu d'éclairage. Voilà, mes amours, vous pouvez remarquer qu'aujourd'hui, je suis à moitié maquillée. En fait, j'ai presque fini, sauf les yeux, les paupières mobiles et la muqueuse. Voilà pourquoi je vous explique, mes amours. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale, la journée internationale de l'autisme. Voilà, donc vous savez, l'autisme, c'est une maladie vraiment, vraiment, vraiment. Pas du tout cool, qui fatigue beaucoup les enfants, les femmes dans le monde entier. Voilà, donc aujourd'hui, c'est la France en bleu. Pas que la France, moi je dirais le monde entier en bleu, parce que c'est pour soutenir d'une manière ou une autre, juste par un geste, par un maquillage, par une tenue en bleu. Voilà, votre maison, une lumière en bleu. Voilà, c'est l'éclairage en bleu, si vous voulez. Voilà, c'est la couleur aujourd'hui, c'est le bleu pour soutenir les parents, voilà, qui ont des enfants autistes, des femmes autistes. Et aussi, c'est très, très difficile pour à tous ces parents qui ont des enfants. Voilà, parce que cette maladie, en fait, il y en a au moins 430 000 par an dans le monde, 150 en France, donc 25% des enfants, mes amours. 25%, c'est beaucoup pour nos enfants. On a tous un proche, on a un parent, on a un ami, on a une soeur, un frère, une cousine, un voisin qui a un enfant autiste, une femme autiste. Voilà, ça se touche beaucoup, surtout les femmes et les enfants, c'est très, très, très difficile. Bon, les hommes aussi, sûrement. Bon, bref, c'est vrai que je me suis plus basée sur les femmes et les enfants, mais c'est vraiment pas cool. Donc voilà pourquoi ne pas l'aider par un geste, par un mot, par un hashtag, éclairer notre journée en bleu. Voilà, pour leur dire qu'on les aime. Excusez-moi. Pour leur dire qu'on les aime, pour leur dire qu'ils sont comme tout le monde. C'est juste, voilà, qu'ils souffrent de quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Mes amours, personne, 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 personne n'est à l'abri. Excusez-moi, personne n'est à l'abri de cette maladie. Donc voilà, soutenant, soutenant cette journée et disant vraiment, voilà, on est avec eux de tout cœur. Voilà, si on ne peut pas faire, qu'on peut leur donner un petit sourire par un maquillage, voilà, par un coucou, pour leur dire qu'on les aime, qu'ils sont aussi nos enfants, nos mamans, voilà, qu'on les adore. Et voilà, c'est pour ça que je me suis déjà maquillée, presque finie. Il me reste juste les yeux parce que je vais les faire en bleu et éclairer un peu un highlight, bien sûr, vers la fin. Voilà, mes amours, c'est pour ça que je me suis maquillée, voilà. Donc, voilà, moi, c'est pour donner. S'il y a toutes les youtubeuses aujourd'hui, ceux qui l'ont déjà fait, merci, merci, merci à vous. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous les supplie, je vous en supplie, s'il vous plaît, si vous faites votre vidéo aujourd'hui, pensez à ces enfants, pensez à ces femmes, hein, voilà, qui souffrent de cette maladie. Donc, c'est la journée des international de l'autisme, voilà, pour soutenir vraiment tous les enfants autistes du monde entier. Vous vous rendez compte, c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup, et vraiment c'est triste. Voilà, nous sommes tous des parents et ça peut nous toucher, ça touche tout le monde. On a toujours quelqu'un qui souffre de cette maladie. Alors voilà, sans plus tarder, on va commencer notre maquillage, comme je le dis, à tout en bleu. Alors je vais prendre ce bleu qui est très, très beau. Voilà, donc hashtag éclairé les paupières mobiles en bleu. Voilà, hashtag Blue Day. Voilà, vous pouvez tout mettre. Hashtag Blue Day. Hashtag éclairer votre journée en bleu. Voilà, hashtag journée en bleu. Voilà, c'est pour donner notre soutien. Alors, je vais venir placer ce bleu. Je vais partir du creux. Remonter légèrement là. Il est vraiment très beau ce bleu, c'est. J'ai l'impression un peu qu'il fait un peu violet sur. Attendez, je vais vous montrer. Ah, dans mon miroir, je vois bien qu'il est bleu. Voilà, c'est bel et bien ce bleu du coffret Sephora. Voilà, donc vraiment, c'est un bleu très très joli. Donc, qu'on utilise aujourd'hui, mes amours. Voilà, hashtag journée en bleu, soutenir les enfants, les femmes autistes. Voilà, c'est la journée, c'est pour vous faire un coucou de la part des HPM Buzyn. Voilà, pour vous dire qu'on est tous avec vous et si on peut faire plus, voilà, l'année prochaine, pourquoi pas se rendre dans les hôpitaux. Vraiment, je crois que être youtubeuse, ça s'arrête pas là, juste derrière une caméra, c'est aussi, je vais trouver mes mots. C'est aussi faire des actions, pourquoi pas, mes amours. Donc, n'hésitez pas, si vous pouvez le faire, faites-les, s'il vous plaît.
Donc, je pense qu'on est bien là avec notre bleu là. Voilà, donc là, je crois que c'est bon. Alors, je vais chercher le bleu un peu plus foncé. Alors, un bleu fumé pour venir mettre juste là au creux de l'œil. Voilà, juste un bleu fumé pour donner encore un peu plus d'intensité à mon bleu. Alors, comme je disais, s'il y a des youtubeuses qui font votre maquillage, qui font votre maquillage. S'il y a des youtubeuses qui font leur maquillage aujourd'hui, s'il vous plaît, alors n'hésitez pas de mettre le bleu juste pour faire un coucou. Voilà pour les malades d'autistes, ceux qui souffrent de cette maladie. Franchement, ça sera bien, ça sera cool, ça sera un geste noble et vraiment, pourquoi pas. Donc, comme je dis, être youtubeuse, ça ne s'arrête pas forcément juste derrière un écran. C'est aujourd'hui faire, c'est aussi faire des actions de qu'on peut. Voilà, moi, je me suis vraiment dite. L'année prochaine, je ferai mieux, me rendre dans un hôpital, pourquoi pas, et aller avec plein de maquillage, si on me le permet, on me l'autorise. Voilà, là, je vais mettre légèrement là. Je vais mettre légèrement au ras des cils en bas, le même bleu que j'ai utilisé. Alors, si les hôpitaux m'autorisent, je verrai à l'hôpital Sainte-Marguerite, je crois, de Marseille. Et l'année prochaine, voilà, pour aller avec plein de maquillage, tout en bleu, voilà, pour passer cette journée avec ses enfants. Et voilà, c'est ça aussi, être youtubeuse, ça s'arrête pas juste derrière une caméra. Donc, voilà, c'est ma pensée à moi, voilà, donc, j'espère qu'on va arriver à le faire l'année prochaine. Et pour aujourd'hui, on va s'arrêter derrière la caméra, mais tout en pensant très fort à tous ces enfants, tout en pensant très fort à tous ces mamans qui ont des enfants autistes, je l'avoue. Franchement, c'est pas facile pour eux, c'est pas facile. Moi, j'en connais et je sais que c'est très, très difficile. Il faut leur dire bravo. Il faut leur dire qu'elles sont des braves femmes. Il faut leur dire qu'elles sont très courageuse, mais ne baissez pas le bras, ne baissez pas le bras. C'est très difficile, mais ne baissez pas les bras. Voilà, donc, quand on a fini de mettre notre bleu, alors on va pas finir avec le bleu, on va prendre notre mascara. Vous pouvez tout prendre en bleu, vous pouvez utiliser le bleu un peu. On va nettoyer un peu. Alors, vous pouvez utiliser sur la paupière mobile un mascara, un eyeliner, un crayon pour votre muqueuse, un rouge à lèvres bleu s'il le faut, un tenue bleu, tout ce qu'il faut, une petite touche bleue juste pour dire à ses enfants qu'on est avec eux, qu'on les aime très, très, très fort. Voilà, et que c'est pas leur faute, ça peut arriver à tout le monde, à tout le monde. Les maladies, on peut s'attendre à tout, à tout, à tout, à tout moment, que ce soit un de nos proches. Ça, vraiment, vraiment, c'est pas cool, tout simplement. C'est pas. Voilà, donc, mes amours, donc, c'est de la part des HBM Bizet. Alors, on va mettre notre eyeliner bleu. Alors, je vais le faire, même si je rate aujourd'hui. C'est pas grave. Si ça peut faire rire les enfants, pourquoi pas. Et vous pouvez aller sur la page, je n'ai pas encore, je n'ai pas le site par cœur pour regarder. Vous pouvez publier aussi les photos en bleu. Voilà, je crois que je vais le faire. Et voilà, c'est des sites, je pense que les enfants autistes ont le droit de regarder. C'est des sites des hôpitaux, je crois. Voilà, mes amours, on a fini de tracer notre LNR. Voilà, en bleu, tout en bleu. Voilà, il est trop mignon d'ailleurs. Pourquoi pas? En plus, le bleu, c'est très joli. Donc, franchement, s'il y a des youtubeuses, voilà, aujourd'hui, vraiment, faites votre maquillage en bleu. C'est très joli. En plus, ça ne dérange à rien. Moi, franchement, c'est au contraire, je trouve ça cool. C'est trop beau et on a l'impression de tout simplement se colorer tout en bleu aujourd'hui et c'est beau, voilà, donc pourquoi pas. Et en même temps, si ça peut faire sourire des enfants, des femmes autistes, et voilà, donc comme je l'ai dit, vraiment soutenons, fait de notre mieux. Alors, on va venir encore plus éclairer en bleu, on va prendre les bleus turquoise, voilà, qui sont très beaux. Donc, je vais mettre celui-là un peu là. Sur la muqueuse au fond ici.
C'est un bleu turquoise. Juste là, je m'arrête. Voir un mélange de bleu, en plus c'est très très joli. Vous voyez sur la caméra, j'ai l'impression que c'est un peu clair, mais vraiment c'est un bleu turquoise. D'ailleurs, c'est les deux que je vais utiliser. Ils sont très très bons. On a l'impression que j'ai mis du blanc sur la mi-case, mais c'est pas du tout, c'est le bleu. Alors je vous montre, et c'est bel et bien écrit turquoise. Pas si ça se voit. Voilà, c'est le bleu turquoise. Et là, je vais venir mettre tout au long de la mi-case. Voilà, il est trop trop beau. En plus c'est très très joli, c'est vraiment très joli. Ça dérange à rien dans votre make-up, au contraire c'est très beau, c'est très très beau franchement. Voilà, franchement c'est très beau, moi j'aime beaucoup, c'est très beau. Alors je reprends celui-là, donc je vais venir mettre dans la mi-case intérieure supérieure, la mi-case supérieure, donc un tout petit peu là. Voilà. Voilà notre bleu, mes amours. Voilà, donc HBM Bizarre, hashtag Blue Day, hashtag Journée internationale de l'autisme. Voilà, pour dire les enfants, les mamans qui souffrent de l'autisme, les parents des enfants autistes. Oulala, oulala, je sais que c'est pas facile pour vous, c'est pas évident. Courage, 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 ça arrive à tout le monde. C'est pas facile, je le sais, et on est de tout cœur avec vous. Voilà, donc vraiment, c'est la team HBM Bizin. Et voilà, on va finir d'éclairer notre journée et on va rester tout en bleu toute la journée. Je vous montrerai tout à l'heure. Je viens au bleu. Je même compte. Bon, ne dites pas que je suis à Marseille, donc je plein de trucs en bleu, donc voilà, pour ne pas trop parler, quitter de l'autisme et aller au football. Donc je vais laisser la couleur bleue que j'ai là à la maison à côté. Alors je vais venir éclairer avec mon highlighter de chez Sephora. Donc je suis sûre que Sephora aussi fait la bonne cause pour cette journée. Pinceau, avec les highlights, c'est ma partie préférée. En plus, si je peux le faire aujourd'hui, quoi, avec cette journée, donc éclairée, c'est le but, c'est d'éclairer surtout tout en bleu. Et donc, si on peut apporter une touche d'éclairage bleu, en plus, je crois qu'à part le bleu, il y a un peu du jaune aussi dans la couleur d'aujourd'hui. Et donc, pourquoi pas? La lumière, le but vraiment c'est d'apporter la lumière tout en bleu aujourd'hui, mes amours. Apporter la lumière pour cette journée. Dis à ces enfants, voilà, c'est pas que vous êtes impoli, c'est pas que vous êtes désagréable, c'est juste que vous souffrez de quelque chose. Voilà, donc vous n'avez pas choisi. C'est pas que vous êtes mal éduqué. Des fois on pense que c'est parce qu'ils sont mal élevés, c'est parce qu'ils sont mal éduqués, c'est parce que non non non, c'est juste parce qu'ils ont une maladie dont ils n'ont pas choisi. Vraiment, personne ne choisit d'être malade, donc il faut être conscient de ça sur cette terre. Personne ne choisit d'être malade, ça peut arriver à tout le monde, tout le monde. Moi personnellement, mes deux parents sont morts du cancer. Et croyez-moi, avant ça, je n'avais pas pris vraiment. J'étais pas consciente vraiment de ce que c'est que le cancer, vraiment du mal qu'il peut faire. Bon, j'entends le cancer, les cancers, mais rassurez-vous, aujourd'hui, là, dès que j'entends le mot cancer, déjà, je passe une mauvaise journée parce que je pense à mes parents. Donc, vous voyez, c'est quelque chose, c'est quand ça nous arrive qu'on dit, ah tiens, mais c'est comme ça, ou bien, voilà, les gens qui ont déjà traversé cette période, voilà, donc voilà. Faut pas que ça soit trop tard avant d'agir. Vraiment, c'est très très important, mes amours. Voilà. Voilà, les amours. Voilà, les amours des HBM Bizin. Voilà, c'est terminé. Notre maquillage, comme je l'ai dit, on a déjà presque tout fait. C'était pour faire le maquillage en bleu.
Tout en bleu, j'espère qu'on a reçu les challenges et que vraiment, si vous êtes aussi devant vos écrans, les youtubeuses, voilà, n'hésitez pas de faire un petit coucou, de faire un petit maquillage en bleu, juste sur les paupières, juste un eyeliner, un mascara, un rouge à lèvres, un haut bleu, un collier bleu, tout ce que vous pouvez pour éclairer la journée tout en bleu aujourd'hui, voilà, pour dire à nos parents, à nos mamans, à nos enfants qui souffrent de cette maladie. C'est pas évident, 25% des enfants en France souffrent chaque année de cette maladie et 150 personnes par an. C'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup en France. Et quand on pense qu'il y en a 430 000 dans le monde, et même plus, je pense, c'est pas évident. C'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Alors, on vous dit qu'on vous aime très, très fort. Voilà, on vous soutient tant qu'on peut. Et voilà, passez une très bonne journée aujourd'hui. Amusez-vous, amusez-vous, amusez-vous. C'était HBM Bizin. Voilà, likez la vidéo si vous avez aimé. Surtout, partagez, partagez cette vidéo. C'est un message, voilà, pour dire à tout le monde d'être vraiment avec nous aujourd'hui pour partager cette journée. Je vous aime très très fort. Voilà. Un bisou de moi, c'était HBM Biza. Hashtag Blue Day.